Et là, ça va. Professeur! Ah, bon, monsieur! On va passer une très bonne journée, la famille. Regardez ce que j'ai derrière moi. 458 Italia avec un échappement IPE qui fait un bordel. Et aujourd'hui, c'est une journée fast lane drive, donc une journée de pur kiff avec d'autres passionnés. Il est 7h15 du matin. Pour les voisins, j'espère que ça va aller. Je fais en sorte que ce soit fermé quand même, les clapets. Ah ouais, quand même, ça fait un peu de bruit, hein. C'est Marion, ma copilote aujourd'hui. Alors Fastlane Drive, je sais pas si vous avez déjà vu, c'est un club qui, en gros, ils ont commencé aux États-Unis et ils ont ouvert à Monaco. Et là, c'est le deuxième événement qu'ils font à Monaco. C'est sur une journée. La dernière fois, c'était sur deux journées. Aujourd'hui, c'est une longue journée. Donc, on commence tôt ce matin et après, on continue à travers la journée. Il y aura Raoul comme la dernière fois et il y aura plein d'autres potes. Et enfin, c'est toujours juste un kiff, quoi. Je me suis dit, plutôt que de reprendre la M3, pourquoi pas prendre quelque chose de différent? Donc, j'ai texté Taurus Cars, c'est une boîte de location de voitures ici dans le sud. Je les ai textés hier à genre 17h et à 19h, ils m'ont livré cette voiture à l'aéroport. Et donc du coup, pur kiff, là on se retrouve en 458, une de mes voitures préférées tous les temps, pour une journée entre amis. On va monter au col du Turilli et ça va être incroyable. T'es contente? Oui. Ouais. Marion va me filmer aujourd'hui en bonne copilote. J'ai pas de stabilisateur, donc je vais faire de mon mieux. Le bruit de cette Ferrari, c'est un délire. Vous entendez ça? C'est une F1! Ah! Hier, je suis rentré, j'ai pris 2-3 tunnels et croyez-moi que c'est un truc de malade. Donc là... qu'est-ce qu'on va kiffer aujourd'hui? J'adore cette voiture, écoute ça! Oh le délire! Trop fun en vrai! Elle est toute contente, c'est bon, elle a une casquette Fastlane Drive. C'est ton premier convoi, non? Ouais. Comme ça. Ah, ouais. Tiens, oh, c'est quelque chose. Bon, bah regardez. Il y a une Scoud. Ça ramène des souvenirs. Ça, c'est quand même violent, quoi. GT2 RS en jaune. On en voit vraiment pas souvent en jaune. Salut! Pack Vaisak avec tout le carbone glossé. Elle est exceptionnelle celle-ci. Alors regardez, en fait j'avais pas remarqué, mais la config de cette F8 est folle. Parce qu'on a les jantes en carbone. Il y a le full pack carbone à mon avis à l'arrière aussi. Ah ouais, regarde le diffuseur arrière complètement en carbone. Et même l'intérieur, il y a les sièges baquets avec les détails rouges. Elle est magnifique. Là on est en train de mettre tous les stickers Fastlane Drive sur toutes les voitures, tu vois. Raoul qui arrive avec la SLR, magnifique. Là, ça va drifter. Surprise en surprise avec Raoul. Ouais. Comment ça va? Bien. Elle est magnifique, hein? Tout en poste. Magnifique, tout full config. Attends, t'as quoi? Ah, c'est marron à l'intérieur. Magnifique. C'est une des premières voitures que Mercedes il a fait Tyler Made. Ah, ouais. Ah ouais? Ils étaient venus le musée pour me l'acheter. Moi. Ouais, tu vois, tous ils ont les tirés des freins noirs et les a grises. En réalité, ils sortaient avec les jantes noires. Mais moi, je n'aimais pas trop, je les pentes grises. Ouais. Mais elle est sortie à l'usée avec ça. Capote en jeans marron intérieurement. Ah ouais, ouais. C'est magnifique. Hein. Et il y en a beaucoup en décapotable comparé à coupe ou il y en a moins? Total, ils ont fait 1300 voitures. Ok, ouais. Ils ne déclarent pas combien. Ouais, il y a de chaque. Quelque chose, oui. Et là, ça va. Ouais, c'est mieux. Ouais. We'll be right back.
caméra, vous allez voir la réaction de Marion. Alors je sais pas si c'est bien cadré ou pas. Non mais on n'est pas obligé de zoomer. Mais t'aimes bien ? Mais en fait, j'aime bien et j'aime pas à la fois. Ok. Oh la sale folie quoi ! Oh ! Mais c'est incroyable ! Ah, oh là là ! C'est incroyable ! Jusqu'à 9000 tours quoi ! Ça va toi ? Tu kiffes ? Donc je vais essayer de me placer derrière Raoul, juste derrière Raoul, pour le filmer un petit peu. Il glisse déjà. Ben voilà, essayez de rester avec lui. Regarde. Le là, qui va y aller. Regarde là, regarde. J'espère que vous arrivez à le voir. Marion fait de son mieux. Un petit médoc. Un petit médicament. Non, un anti-seb. Ah bon monsieur. On arrive à un arrêt là, regardez, j'étais 3 RS et j'étais 3992. Il y a plein de voitures. Cayman, une autre GT3 RS phase 2, une autre GT3, ouais, M5 CS. Magnifique, DB11. Bon bah voilà, col de Turini fait, on a fait un petit arrêt café là. On a toutes les... Oh la DB11, je savais pas que ça faisait un bruit comme ça une DB11. Ça c'est un autre groupe en fait, donc cette route, le col de Turini. C'est une route très connue. Et donc du coup, il y a plein de gens qui viennent ici. Donc il y a un autre rallye, etc. Mais ça va, t'es dans le vlog. Ouais, non mais je te suis. Hein. Regardez un peu cette ambiance. Tout le monde qui dit ciao. Bye bye. Bye! Ciao, ciao! Suffit de faire 2-3 rêves. J'espère que c'est pas trop flou. Qu'est-ce qu'ils sont bons ces Italiens! On arrive au Maybourne Riviera. Un des plus beaux hôtels du coin quoi. Magnifique cet hôtel. Nous on a déjà passé une nuit ici. Oui. Youpi. On a beaucoup de chance. En termes de pause déj, là on est vraiment sur quelque chose d'assez exceptionnel. Un petit snack très sympa mais... Et regarde la vue. Genre... Allez caméra, fais la mise au point. C'est bon. Waouh, c'est incroyable quand même. On était en face et on a commencé là-bas. Là, il y a le tennis, le country club, la villa, la vigie incroyable là, tous les bateaux.
pas mal du tout, hein, comme arrêt, avec la table juste là. Par contre, c'est toi qui as commandé la météo, parce que il va pleuvoir normalement, comment tu fais? À chaque fois que je vlog, c'est un arrangement que j'ai avec la météo locale, à chaque fois que je vlog, ben, il fait beau quoi. Alors, sans transition... Qu'est-ce qu'il y a là? Non mais c'est juste... Ah, il y a le capot qui est ouvert, non, devant? Non, c'est ça. C'était pour me dire qu'elle était élevée. Bon, un peu capricieuse, ces italiennes. Journée incroyable. Fastlane Drive Monaco, voilà, la voiture de retour avec son petit sticker. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Un vlog à l'ancienne, on a ressorti l'ancienne caméra de vlog. La plupart de mes caméras sont à Genève, chez moi à Genève. Et en fait, j'avais juste ça ici. Donc j'espère que ça allait pour la vidéo. Et à la prochaine la famille. Ciao, ciao. We switch. Et on a dû péter les oreilles de Raoul là, nos pauvres.